Bonjour, je suis Sojo, chanteuse, auteur, compositeur, interprète. Je pense que Sojo est vraiment née, on va dire, il y a 2 ans. Voilà. Sur scène, au niveau de l'univers, les compos, les textes, etc. He got that voice that turns me on, that turns me on. Je pense que la soul, en tout cas, ou en tout cas une musique où il y a de la soul, c'est quelque chose qui, une musique qui va toucher l'âme, une musique qui va toucher, qui va te prendre aux tripes, quoi. Quelque chose qui va te donner des frissons, qui va te donner des émotions, qui va te faire tourner la tête, j'en sais rien, quelque chose voilà, qui va vraiment te toucher au plus profond, quoi. Pas juste te donner envie de danser. Alors, mon EP, j'ai travaillé avec 2 réalisateurs de la Song Factory qui s'appellent David Grumel et Jérémy Rassa. Et après, il y a eu tous mes musiciens. On a commencé à travailler dessus il y a environ 6 mois. En fait, on est allé en studio et on a enregistré en live toutes mes compos. De là, on s'est donné 2-3 mois à peu près pour réécouter tout et pour en extraire les morceaux les plus forts. Donc, 4 titres en sont sortis gagnants. Donc, les 4 titres qui sont sur l'EP. Et à partir de là, en fait, on a tout réenregistré, mais juste piano-voix. Les arrangeurs en fait sont partis de ça pour eux faire un petit travail d'orfèvre et définir les lignes de basse, les grooves de batterie, mettre un glockenspiel par exemple, choisir un Rhodes ou un orgamon, etc. Voilà, il y a eu vraiment un gros travail, une grosse réflexion pour vraiment créer l'univers et avoir aussi un fil vraiment conducteur pour tout l'EP et avoir des titres vraiment forts. Donc là, on en est à pouvoir mixer. Donc je sais avec qui j'ai envie de mixer, avec Nathalie Loriot et Franck Hédin de Mercredi 9, qui travaillent vraiment dans un état d'esprit hyper vintage, sans non plus être passéiste, mais voilà, leur studio, c'est Vintage Land, c'est magique. voilà, ensuite masteriser l'album, le faire presser, toute la partie graphique, etc. Et donc pour ça, j'ai besoin de l'aide de mes fans, des gens qui me suivent, des internautes, des gens qui ont envie de m'aider parce qu'ils vont tout simplement aimer ma musique ou aimer mon univers. J'ai besoin de 5 euros, 10 euros, 1000 euros. ça dépend évidemment de chacun, mais je serais vraiment hyper honorée si des gens veulent et peuvent m'aider pour finir cette EP. Voilà, et ce serait un honneur ensuite de pouvoir leur offrir un bel EP. Merci. Suivez mon actualité sur Facebook, Noumise, Twitter et mon site internet.